Waouh, c'est trop stylé. Ah ouais. Ah ouais. C'est le Big Bang, mais regardez. Mais c'est des putains de génies. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez la forme. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui sur Elementary Land pour la nouvelle vidéo découverte du serveur, puisque finalement ma première vidéo découverte du serveur c'est pas spécialement bien passé apparemment. Alors, petit message orageux également à ceux qui ont été déçus, parce que déjà je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous voyez pas de quoi je parle. Donc Elementary Land, c'est un serveur Minecraft qui fait du coup parc d'attractions, et je n'ai jamais craché sur ce serveur. Si vous voulez regarder de nouveau la vidéo, n'hésitez pas, hein, petit rappel. Au contraire, il y avait des bugs et je disais que c'est pas grave. C'est juste pas grave, le serveur a l'air vraiment bien, il se développe, il y aura de plus en plus de trucs, il n'y a pas toutes les attractions encore qui existent. Je n'arrêtais pas d'encourager le truc en fait, genre à aucun moment j'ai fait de la mauvaise pub. Déjà à la base je ne suis pas payé, c'est pas de la pub ce que je fais, mais même ce n'est pas de la mauvaise promotion, puisque je dis que ce n'est pas grave, que ça arrive et que je reviendrai. Je l'ai dit que je reviendrai dans tous les cas, que ce soit pour faire les attractions que je n'ai pas faites, et là en l'occurrence pour tout faire parce que finalement j'ai encore rien fait. Donc voilà les rageux, on va se calmer direct. Le membre du staff en grande partie d'ailleurs a été compréhensif et d'ailleurs un petit peu triste évidemment que ça s'est mal passé, mais il n'y a pas de souci. Je n'ai pas eu de mauvaise expérience, si ce n'est voilà quelques personnes qui ont été vraiment énervées apparemment. Écoutez les gars, ce n'est pas de ma faute et ce n'est pas non plus entièrement de votre faute, et il n'y a pas de problème encore une fois. Voilà, l'IP est dans la description si vous voulez y aller, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc les amis, bienvenue chez Elementary Land. J'ai fait le slash audio, vous entendez la musique de fond. Hey, quel connard, il a oublié de faire le slash audio. Hey, tu te calmes petit rageux, d'accord, je t'ai rien demandé. Alors on va de nouveau découvrir un petit peu tout ça. Alors avant de me téléporter directement aux attractions, j'ai envie d'aller voir, parce que voilà, ça y est, j'ai enfin mon petit grade YouTube que vous voyez dans le tab, c'est incroyable, ça y est, je suis enfin YouTuber, il était temps. Et en fait du coup d'ailleurs, et je m'excuse, oh là là, je savais que je le connaissais, Tomix, du coup en fait voilà, vous allez voir hein, au niveau de l'allée centrale, du coup il y a les YouTubers qui y sont, donc j'ai envie de voir si j'y suis bel et bien, j'ai envie de me voir en vrai. Mais il y en avait un, c'était Tomix, et du coup ça me disait quelque chose. En effet, il a 40 000 abonnés, il fait des courts-métrages. J'avais très vite checké de nouveau et j'ai fait oui, c'est vrai, c'est lui, c'est le bro, donc pas de soucis. Voilà, les partenaires. Alors, voyons voir où je suis. Déjà, ils m'ont pas mis là, hein, c'est normal, je ne suis pas partenaire. Je suis YouTuber. Alors, ils m'ont mis là, très très bien. Je me fais suivre par un modérateur. Excellent. Je suis là, je suis beau, je suis... regardez, je suis même à la bonne hauteur pour faire des choses... pour tout simplement me faire un câlin. Voilà, donc ça fait plaisir. Merci de m'avoir écouillé. Est-ce que j'ai le slash fly? Oh! Pas du tout. Ils me mettent fly activé, mais je ne peux pas voler. C'est incroyable. Attendez, bougez pas. Ça a pas l'air de marcher, les copains. Oui, c'est un serveur de merde, ça ne marche pas. Je n'ai jamais dit ça. Oh, je vous vois venir. Ah si, ça y est, j'ai le fly. Oh, le fly ne marche pas dans les bâtiments. Ah si, ok. Là, je me suis dit c'est peut-être justement bien calculé pour pas que je puisse faire de la merde, donc c'est vraiment cool. Et ben génial, du coup ça va me permettre de fly et d'aller plus vite, et du coup on va pas se téléporter, ça va nous permettre un petit peu de faire le tour directement sans se téléporter. Et voilà, du coup ici on a Elementary Soon, voilà un quartier qui sera bientôt ouvert. Oh. Oh. Ça m'intéresse tout ça. On a une grue, c'est en construction, très bien, d'accord. Et ça donne envie. Ça donne envie d'aller voir, hein, évidemment. Et là on a... Oui. Elementary Soon, très bien. Où c'est que je suis passé? Ah là je suis de nouveau dans l'univers un peu dinosaure, ok. Je me suis perdu. Le temple maudit ou Dino Adventure, ok. Et on va faire Dino Adventure les amis, en espérant qu'il n'y ait pas de bug du coup. Mais cette fois-ci, j'ai bon espoir en effet qu'il n'y a pas de problème. Faut aller où là? Ah voilà. Le gardien de la forêt ou... Hein? Je suis perdu. Ah là. Évolution d'une aventure. Voilà, il y a les deux attractions là-bas. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Dino Adventure, le temple maudit, évolution. Mais il y a tellement de choses. Mais là, par exemple, ça va où là? Ah, c'est une sortie. Dino Adventure, ok. C'est une sortie, et là... J'en profite comme j'ai le fly. Vous savez que j'aime beaucoup tout fouiller, moi. Je suis un grand fouilleur. J'ai besoin de savoir où c'est que ça mène les endroits. C'est quoi? Ah, un shop. Excellent.
Oui, upon. Oh, une petite arme et tout, une petite lance. Très bien, ok. Déjà, ça satisfait mon cerveau de savoir où c'est que ça mène. Et au moins, voilà. Parce que, tu sais, des fois, c'est le bordel. Tu te dis, bah merde, j'aurais pu aller à gauche. Et là, finalement, c'est un cul-de-sac. Donc, ça me fait plaisir. Je vais pas vous mentir. Danger dinosaure. Ah ouais, faut faire attention, hein. On va faire attention aux dinos. Alors, danger dinosaure. Ouais, c'est bon, mais les dinosaures, je les mange. C'est bon, les dinosaures. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est incroyable. C'est un escalier. Ok. Ah! Eh! Ce serait pas un easter egg là? Est-ce que j'aurais pas découvert un endroit? Oh! Ça m'a tout l'air d'être un petit endroit secret. Oh! Oh, le raft. Ah oui, c'est le rafting. Trop stylé. Ok! Sympa, j'ai trouvé un petit coin caché où on peut se reposer. Sympa! Sympa de ouf. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on peut faire. J'aime beaucoup les changements de musique. Donc là, voilà, Dino Adventure. Gaming RB1, bien évidemment, numéro 1. Donc c'est parti. Copyright Music by Elementary. Ce qui veut dire que je n'aurai pas de problème de droit d'auteur. Et ça, c'est un grand GG. Donc oui, en fait, c'est bien eux qui ont composé les musiques du parc. Enfin, c'est eux. Je veux dire, c'est dans leur équipe. Hein. Je ne sais pas personnellement qui a composé. Et ça me fait plaisir, encore une fois, parce que ça me rappelle Tiki Land. Puisque moi-même, je vais composer encore des musiques, vous verrez à l'avenir. Voilà, il y a juste le temple maudit, je crois, qui est copyright, du coup, donc attention. Alors, veuillez patienter, une bouée va arriver. Avec grand plaisir, monsieur, je vais attendre. Eh ben, écoutez, ça fait plaisir. Salut, Oisy, ça va? T'es un petit peu fluorescent. Tu t'es roulé dans un slime. Big up. Oh, regardez, c'est un ange. Incroyable. Alors, et là, il va me dire, oui, le serveur rencontre des difficultés. Ah mais je suis taquin parce que je l'ai encore en travers de la gorge, je vais pas vous mentir. Le fait que des gens ont dit que j'ai fait de la mauvaise promo, que ça va nuire à la réputation du serveur. Les gars, de 1, personne ne m'a rien... Enfin je veux dire, à un moment donné, si j'avais envie de dire que c'est de la merde, je l'aurais dit, même si ça ne se fait pas. Et je ne l'ai jamais dit puisque je ne trouve pas du tout que c'est de la merde. C'est le matin donc pépère. Non, mais à aucun moment j'ai craché sur le serveur, donc je l'ai encore en travers de la gorge. Je suis là en train de faire des compliments au serveur et on me dit « Oui, ça fait un mauvais coup de pub ». C'est bon quoi, ça va la comédie à un moment donné. Ah, ça y est, il arrive, la bouée arrive. Ça fait plaisir, on va pouvoir faire un petit tour, vas-y, va m'accompagner. C'est bon ça. Est-ce qu'il va s'arrêter, vous pensez? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il va falloir le prendre en coup de vent et c'est plutôt cool. Ouais, je crois bien. Oh, c'est stylé. Hop, je me mets là. Je peux changer de place à tout moment? Ah non. Dommage. Faut pas déconner. Ok, bah let's go pour les bouées. Oh mais... Oh là, regarde. On est dans le même siège, j'avais même pas capté. Ah, par contre, ah voilà. Eh ben c'est cool, c'est parti pour faire un petit tour. Ouais. Ah! Non mais en fait, je pense que je porte la poisse en fait. C'est de la mauvaise pub, c'est de la merde cette vidéo! Pouce rouge! Ah! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ah yes. Bon, c'est pas grave. Je vais faire le raptor. Alors. Voilà, je vais faire... Oh, ça m'a l'air sympa. Raptor. Copyright music. Ah. Bah alors du coup, je peux pas le faire. C'est embêtant. Oh. Oh là. Ça m'a fait peur. Évolution. Bah ouais, bah, j'aimerais trop faire évolution moi du coup. Voilà, let's go pour l'évolution, j'espère que ça va bien se passer parce qu'en plus je sais, on a vu le début que c'était stylé et tout, il y avait des feux d'artifice, mais des particules, voilà, enfin bref, on va voir l'évolution. Avec la musique c'est quand même vachement épique. Allez, let's go. I'm here, let's go. Oh, la pression, ça va être le Big Bang. Mais non, j'ai compris, c'est le Big Bang. Non? C'est le Big Bang. 100%. Regardez bien. Waouh, mais bien sûr c'est le Big Bang. Non, je sais pas, je dis de la merde. Ah, c'est une météorite qui se crache contre une autre. Waouh, c'est trop stylé. Ah ouais. Ah ouais. C'est le Big Bang, mais regardez. Mais c'est des putains de génies. Oh là là! Oh les gars! C'est du génie! C'est fantastique!
La planète Terre, une planète qui est d'apparence comme les autres. Mais plongeons, plongeons vers elle, je vais vous montrer quelque chose. Ah ouais, régalez-moi. Regardez, là où les autres planètes sont si ennuyantes, celle-ci semble avoir produit quelque chose de miraculeux, car ici, il y a de l'eau. Ah, vous semblez être moyennement impressionné, mais ce qu'il y a surtout, c'est plein d'organismes et d'êtres vivants présents dans l'eau. Il est maintenant temps pour ces bestioles d'émerger, de sortir de l'eau pour arriver sur Terre, donnant les premiers êtres vivants terrestres de l'histoire. Ces derniers vont ensuite se développer pour arriver jusqu'à une ère que vous connaissez bien, celle des dinosaures. Ces animaux sont énormes et ont une force hors de notre portée. Je vous laisse les admirer, mais restez dans votre voiture. Ces bêtes ne sont pas connues pour être les plus passives. Je vous retrouve dans la prochaine salle, si tout se passe bien. Excellent! Ah ouais. Salut les cocos. Non, ça tue, hein. Ah ouais, ils nous regardent et tout. Putain. Ok. Grand GG, hein. Waouh, le taco il tangue et tout. Eh oh! Est-ce que tout va bien? Il semblerait qu'une extinction de masse vient de se produire. C'est la cinquième sur cette planète. Mais ne vous inquiétez pas. Il reste quelques êtres vivants et l'évolution va pouvoir reprendre. Énorme. Nous avons fait un sacré bond dans le temps. Et nous voici devant les hommes. Des êtres intelligents, semblant prendre le dessus sur chacune des autres espèces. Oh putain, non, mais sérieusement. Eh ben voilà, c'est une nouvelle extinction pour moi. Voilà. Après les dinosaures. C'est bon. C'est bon. Waouh. Bravo, bravo, vous avez inventé le feu. Vous avez pas encore inventé l'eau chaude, hein. Excellent. Non, franchement, c'est méga stylé. En plus, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de la Terre, bah... Au fur et à mesure, cette espèce créa des civilisations, développa de nouvelles techniques, enrichissant ses connaissances et observant le monde qui l'entoure. Waouh. De l'émeraude ? Je comprends pas, monsieur, ce que vous dites. Excellent. Salut ! Salut, Pissom ! Moi aussi, je peux parler une autre langue. Hein. Trop stylé. Vraiment. Je peux rien dire de plus, hein, pour le coup. Ah. Salut les chevaliers. Elle commençait à mener des guerres, à vouloir être le plus fort, à découvrir le monde et à se demander comment l'exploiter. Ouais, vous l'avez bien exploité la Terre, hein, bande d'enculés. Hein. Pardon. Ah, c'est pire aujourd'hui. Hey. Et nous voilà dans une nouvelle époque. Maintenant, il n'était plus question de survivre. L'homme est déjà au-dessus de tout ce qui l'entoure. Il possède ses terres, cultive ses champs. Et se divertit de son temps libre. Tut tut. La préoccupation de cette époque ne tourne plus vers la découverte du monde et de la planète, mais vers ce qu'il y a de plus loin encore. Exactement. Ainsi, la technologie va se développer, et l'ère moderne où nous sommes encore aujourd'hui débutera. L'homme construisant des usines pour l'aider, des maisons pour son confort, ou encore des parcs d'attractions pour son divertissement. Exactement. Et nous sommes, aujourd'hui, ici, à découvrir comment tout cela s'est formé. Mais d'autres personnes attendent de découvrir l'histoire de leur planète. Alors je vous quitte et vous souhaite une bonne visite sur Elementary Land. Boum!
Boum ! Excellent ! Excellent ! Allez, je mets un petit bravo dans le chat, ce sera passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, c'est normal. Ouais, j'ai eu peur, je croyais que j'avais fait encore une connerie. Ah là là ! Ah les gars, ça par contre, voilà, pour une fois que j'ai pu faire une attraction sans problème. Eh, cette attraction, elle est merveilleuse. Prenez-en soin de la planète. Eh ben, c'était génial. Voilà, une bonne note là. Hein, toujours à dire que je suis négatif, machin et tout. Mais pas du tout, s'il y a des problèmes, c'est pas de ma faute. Et là, en l'occurrence, il n'y en avait point. C'était stylé. Bravo, bravo à toute l'équipe qui a travaillé dessus, évidemment. Et vous imaginez bien que tout le parc est d'autant plus merveilleux si je n'avais pas tous les problèmes, quoi. Hein. Alors, écoutez les amis, on va un petit peu se... Donc là, c'était l'entrée de l'attraction. Je dis que des conneries, je suis perdu, c'est pas grave, mais je pense que c'est par là. Écoutez, je vais faire un petit slash fly, hein, on va se le permettre. Allez, salut, vas-y. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ah ouais, en fait, ils ont fait toute une sortie et tout encore. C'est méga stylé. Allez, on se réchauffe un petit peu. Comme s'il faisait pas assez chaud ces temps-ci, n'est-ce pas? N'oublie pas de boire de l'eau. Alors, voilà. Oh, c'est quoi ça, Elementary Soon? Encore quelque chose qui va arriver par là, mais c'est incroyable. Allez. Oh. Oh. Oh, une plage. Une plage, oui, oui, bon, vous avez compris, c'est préhistorique. Hein. Ah ouais, je vais faire l'attraction verte, Raptor. Eh ben voilà. Ça nous mène, il nous incite à faire une autre attraction directement. Raptor. Oui, mais copyright musique, ça ne me plaît pas, ça. Je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Ça ne va pas du tout. Copyright. Bon les gars, vous m'en voudrez pas, mais pour les besoins de YouTube, je vais devoir parler en boucle, mais vous entendrez les effects. Je vais me mettre au rang évidemment numéro 1, de toute évidence, parce que je suis, bah finalement je suis le king. Évidemment j'ai tout compris, il est ici le rang numéro 1, je suis vraiment un connard. Oh c'est stylé, je me mets à droite. Oh oui, on entend, oh, et ils ont géré même, enfin bref, visuellement et même au niveau sonore, c'est quand même quelque chose d'assez... D'assez bien travaillé quoi. Let's go! Allez, emmenez-nous vers les raptors. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, je vais pas vous mentir. J'espère qu'il va pas y avoir de bug. Que je vais pas cracher, je veux dire. Oh. Let's go. C'est parti. Les amis, je vous laisse imaginer la musique qui est en fond. Voilà, mais je vais parler. Hein. Bla 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 bla. Oh, à mon avis, elle va être sensationnelle. Hein. C'est bien, on dirait déjà un dinosaure le truc. Ça dépote celle-là, sans blague. On dirait déjà le Blue Fire dans... Ça me fait vraiment penser au Blue Fire. Oh, attention, ça va partir d'un coup, là, à mon avis. On va partir d'un coup. Ok, c'est parti, c'est parti. Oh, ouais, j'avais pas vu ça. Oh, excellent. Ouh. Ah ouais. Oh, salut, toi. Oh, big up. Excellent. Oh voilà, j'ai eu un haussement de cœur, c'est déjà fini. C'était juste en fait pour avoir une grosse... En fait, c'est si jamais t'en as marre de la vie. C'est super, c'est... Bravo. Génial. Franchement, j'aurais bien aimé deux tours. Y a pas un deuxième tour qui s'enchaîne, ce serait pas mal. Hein. Non. Ah ok. Franchement, Sartek. Hein. Stylé. Stylé. Bah écoutez, franchement, je peux pas faire plus positif. Sinon après, je vais avoir encore des problèmes. On reviendra sur le serveur pour faire d'autres attractions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère, voilà, m'être rattrapé, bien évidemment. Et voilà, on se retrouve très vite sur ce serveur. N'hésitez pas à le rejoindre. C'est en 1.15.2. Du coup, l'IP, il est dans la description. L'IP, non. Ah si, c'est play.elementary-land.fr. Voilà. Donc ça fait... Regardez-les. Regardez les guignols. Excellent. Eh ben écoutez, on se retrouve très vite pour de prochains... Oh, ça y est, j'ai dit guignol, donc ça y est, je suis en train d'être péjoratif. C'est bon, on a compris, là. Partez de cette vidéo, là, ceux qui comprennent rien. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Pouce bleu, et on se retrouve très vite pour de prochaines. C'était Mkolo, des bisous à tous. Ciao tout le monde. Oh.